on peut pas être tout à fait développé dans un pays sous-développé. Donc on a décidé, quand maman a eu son rein, de créer une association. C'est pour ça que vous êtes là ce soir et on vous remercie de soutenir cette cause. La maladie, c'est comme la pluie, ça tombe sur tous les toits. Qu'on soit à Monte Carlo ou à Yaoundé au Cameroun, c'est pareil. This is his mother and she had a kidney failure for 5 years. She was on dialysis, so Thomas took this very seriously and he took it very personally. And this is where this beautiful charity and this beautiful event was born. I want to thank you for all joining us here in this beautiful gathering. On va débuter avec le lot numéro 1, c'est la pomme qui est devant moi. C'est une pomme qui a été offerte par un artiste et la pomme s'appelle Pomme Graffiti. L'artiste s'appelle Bull Einstein. Une fois, c'est bien vu pour tout le monde. Deux fois, mettre la bulle dans le monsieur au premier rang à 600 euros. Merci, merci de votre générosité. Avec une valeur estimative autour des 500 euros. Et on va débuter l'enchère avec un tout petit prix, on va débuter à 80 euros. 80, c'est bien 80 vu. 80 euros pour Ira Africa. 80 euros, c'est bien vu. On va donc la juger à 80 euros dans mon dos. On va débuter à 20 euros. Une preneur à 20. Une chapelière fait des créations de chapeaux. Gold Dinger. Un très beau chapeau. Ces chapeaux se vendent à des prix beaucoup plus importants que celui qu'on va vous annoncer. Pas une enchère. Oui, c'est une enchère. 100 euros au fond. Très bien. À 80 euros, monsieur. 30 euros. 30 euros. 100 euros au fond pour le chapeau rose, c'est bien vu, maître, on va taper le marteau. C'est un maillot original de l'équipe de basketball de Monaco, Roca Team. Donc 150 euros, monsieur, maître, on va l'adjuger à 150 euros, monsieur, debout, merci, avec le chapeau, super. C'est une bouteille qui est signée à la main par Jean-Paul Belmondo. Allez, 100, voilà, maintenant on sort à 100 pour la bouteille, super. 100 euros pour la bouteille signée de la main de Jean-Paul Belmondo. 140, l'enchère passe à 140 euros avec madame. C'est un tableau mural africain en tissu woodin. Nous allons débuter pour ce lot à 100 euros. Moi je m'appelle Atavi. Et c'est vous qui avez dessiné cette robe merveilleuse? Oui, c'est moi qui crée cette robe. Enfin, mon showroom est basé à Antibes. À Antibes? Centre-ville d'Antibes, pas loin de la place de Gaulle. Et la boutique s'appelle? Atavi Couture. Des robes de soirée et des robes dans une collection aussi de prêt-à-porter. On fait aussi des costumes pour hommes. Nicole Carole Kidogbo de la marque Carole Art Création. Je suis la créatrice et la directrice de cette marque. Je me prépare à exposer, à faire une exposition de bijoux de luxe. À l'âge de 12 ans, j'avais déjà des prédispositions parce que je faisais déjà de la couture. Je suis du Bénin, originaire du Bénin, où je suis née. Bon, je n'y ai pas vécu, voilà. Je suis partie du Bénin, j'avais à peine 6 mois. Et vous pouvez nous faire voir quelques objets et vous expliquer ce qu'ils ont de spécial? Oui, bien sûr. Alors là, par exemple, c'est une parure tout en cristal de Swarovski et labradorite. Et avec de l'argent massif. De l'œil de tigre pour hommes, c'est une parure pour hommes parce que je crée des bijoux aussi bien pour femmes que pour hommes, que pour enfants. Ça, c'est du corail. C'est du corail? C'est du corail véritable. Non, il est joli celui-ci, ouais. Le collier. Chaque pièce est unique. Je ne refais jamais deux fois le même modèle. Je considère que nous sommes tous uniques. Et donc, pour moi, mon plaisir, c'est de voir mon client heureux, de savoir qu'il est le seul dans le monde entier à posséder cette parure. Bonjour, me maquiller, toi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sonia Bibi. Et Bibi Sonia. Je vais défiler pour le styliste Nguyai, je suis mannequin. Je vais défiler pour le styliste Nguyai. Vous allez vous maquiller, vous changer. Voilà, je vais me changer, je vais me maquiller, on va se maquiller. On va faire un grand défilé. On vous reconnaîtra peut-être pas. Ah, bah avec mes cheveux comme ça, pas de cheveux, vous allez vous reconnaître quand même. Je m'en prie, merci. Je suis Esther Mbia. Je suis d'origine camerounaise et je vis sur Monaco. Je suis venue assister à ce magnifique gala. Je suis créatrice de mode. J'ai une marque de vêtements haut de gamme du nom de Herblin. Sport chic, haut de gamme et robe de soirée. Elle s'appelle Beyond Sport. Qu'est-ce que c'est comme association? C'est une association qui est en Afrique. On essaye de s'étendre partout en Afrique. Dans quel pays? On a commencé au Kenya. Là, on a des projets d'académie au Maroc, au Kenya, au Sénégal, et on a essayé d'avancer petit à petit. Et notre but, c'est de créer des structures sportives dans des écoles pour pouvoir lier le sport et l'éducation.
parce qu'on pense que c'est un vecteur universel. On donne accès à des structures sportives, c'est-à-dire qu'on construit des terrains de sport, des structures sportives, quels que soient les sports, on construit des bibliothèques et des salles informatiques et l'éducation. Parce qu'on pense que c'est un vecteur universel. On donne accès à des structures sportives, c'est-à-dire qu'on construit des terrains de sport, des structures sportives, quels que soient les sports, on construit des bibliothèques et des salles informatiques.
passe là maintenant? C'est une conférence de presse, mais on est avant la conférence de presse. Oui, oui, justement. Didier, il est toujours en avance, si vous voulez, il n'est jamais en retard. Vous voyez, il est avant les journalistes, et ça c'est quelque chose de ses qualités humaines. Oui, non, mais c'est mon porte-bonheur dans la vie, sincèrement dit. Didier, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a les enfants, les parents, mais moi dans ma vie, j'ai mis mon Dieu, j'ai mes enfants. Et toi, qu'est-ce que c'est quand tu chantes? Oui, non, mais il va porter la main, à la bonheur, c'est les amis qui les vont en l'air. Didier, il y a Dieu, il y a les enfants, ils vont lui poser après. C'est une langue qui s'est dit. Et toi, qu'est-ce que c'est quand tu chantes? Il va porter la main, à la bonheur, c'est les amis qui les vont en l'air. La boucle de monde autour d'elle et c'est pas facile parce que toutes les causes sont bien évidemment importantes, mais il faut battre le bonheur chaque année. Les amis, qu'est-ce que c'est? Allez, allez. I'm gonna back my first album up when everything has changed. It'll never be the same. Voilà, Didier, c'est du travail d'équipe de vous, c'est pas nous. Ah oui. Vous les avez pris les jeunes, ils sont des sous. Germaine Dupont, ça vous va? Germaine Dupont, Germaine Dupont, Serge Amedon. Anciennement, Carole Chapuis. Anciennement, mais j'ai retrouvé mon vrai nom. Entre amis. On est entre amis. Il y a les amis de Germaine qui s'occupent des amis du Liban. Serge Amedon. Et puis il y a Didier Deschamps qui était déjà extraordinaire quand il était à la SN. Et qui maintenant, avec l'équipe de France, mais à des amis français qui ont sûrement des agendas ultra chargés, prennent quand même sur leur temps pour donner à des associations. On se rend compte que plus on monte, surtout, qu'il manque certaines choses. Il manque l'amour, il manque le cœur. Ils prennent quand même sur leur temps. On est un peu privé quand on monte dans la société ou plus on travaille. Alors on a besoin après de s'occuper de ceux qui, eux, restent en bas. Là, on va recevoir plein d'enfants pour un goûter. Alors elle a déjà fait ça au Liban, à Beyrouth, et dans d'autres villes du Liban. Et là, ce soir, ceux qui, eux, tout à l'heure, il y a un goûter pour les enfants de Monaco, pour les enfants. Défavorisés, bien sûr, on va aller aider Boubou à distribuer des gâteaux, des chocolats, des choses comme ça. Vous avez participé à la mise en place des petits bonbons, des gâteaux, qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, à vrai dire, je n'ai pas beaucoup participé, et je suis arrivée avec des petits bonbons, et j'ai vu qu'ils préparaient des petites assiettes, donc je les ai un tout petit peu aidés pour leur demander ce que je devais faire, et Boubou m'a dit qu'il y avait une centaine d'enfants défavorisés qui allaient venir aujourd'hui pour fêter Noël et un tout temps, c'est des petits gâteaux, des bonbons, des ballons à boire, à manger, il y avait du salé, du sucré pour faire plaisir à ces enfants qui malheureusement n'ont pas les moyens chez eux de faire un vrai Noël. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec Boubou et les amis du Liban. Les enfants, ils n'avaient rien. Les enfants, ils n'avaient rien. Et là, vous êtes relevés là-bas pour
au lieu de se rendre. En ce moment, on a pas mal de projets pour l'année passée, par exemple, il y a eu le problème de la tempête et grâce à notre association, il y a un index. Les arbres qui permet justement
à une association de bienfaisance parce que c'est ça le problème. Et après l'efficacité, on la voit sur le terrain, tout ce qui est fait depuis 12 ans, à une association de bienfaisance et aux donateurs aussi. Ça sent bon. Ouais,
Alors c'est Nike qui nous a offert ce ballon, et nous on dépose à l'Europe par un million d'euros pour l'offre. Mais normalement on le vend, et la vente de ces ballons, l'Europe, ça va faire un cadeau d'amour favorisé. Et Didier, il va l'expliquer. Il y a les CD de l'Europe, notre ambassadrice, et normalement il le fait. Et la vente de ces ballons, après c'est Europe, ça va faire un cadeau. Thank you.
la dernière collection C'est la grande dernière collection. Elle s'appelle Dolce Extravaganza. C'est la grande dernière collection. Elle s'appelle Dolce Extravaganza. Super jeu de boulot, voilà, tout ça pour toi, tu vois. J'avais besoin de sacs, donc en fait on m'a dit que tu aimais bien ce. Alors voilà, j'ai fait venir des sacs. Tu aimes? Cadeau. Voilà, tout ça pour toi, tu vois. Alors je vais te présenter donc Jules, qui est aujourd'hui pour nous le photographe, qui est venu de Paris pour toi. Donc Jules, Victoria, tu as Claudia pour le make-up. Et on est là.